Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour une chronique sur les jeux vidéo utilisant les light guns, ou pistolets optiques en français. On reviendra sur les origines du genre et sur les jeux les plus populaires. Le sujet de cette chronique m'a été proposé par David Guild, grand fan des light guns, et aussi un de mes plus anciens abonnés à ma chaîne. David Guild produit aussi de la musique électronique, je vous invite à aller voir ses différents forums sur la musique et sur les light guns, ainsi que sa chaîne YouTube, les liens sont disponibles dans la description. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire des light guns. Si on s'en tient aux jeux vidéo, les light guns sont nés dans les années 70, grâce notamment aux jouets produits par Nintendo, avec le développement des jouets électroniques, et le light gun n'est pas une lubie vidéoludique ancrée dans les années 80, puisqu'en 2011, Sony sortait son PlayStation Move Sharpshooter, un light gun. Le concept des light guns est plutôt ancien, dès le début du XXe siècle dans les fêtes foraines, avec des jeux de tir classiques, mais connaîtra un engouement dans les années 30 rendu possible par l'invention des tubes à vide capables de détecter la lumière, aussi appelés tubes électroniques. En 1936, la société Seaburg, concepteur de jukebox, se spécialise dans la création de tubes à vide et met au point un système de détection de lumière en créant Ray O'Light. La technologie était simple, on utilisait un fusil qui émettait un faisceau de lumière lorsque la gâchette était pressée, un tube photosensible était placé sur de petites cibles mouvantes et si le faisceau frappait la cible, celle-ci s'abaissait. Seaburg sortira Shoot the Mother-in-Law en 1939, Shoot the Beer en 1950 ou encore Coon Hunt en 1952. D'autres entreprises se mettront à utiliser cette technologie dans des jeux de tir. Tout va changer en 1952 quand le MIT Whirlwind, un puissant ordinateur, permet d'utiliser un crayon optique utilisé sur un système de défense aérien aux États-Unis et permettait le pointage sur un écran. La technologie est complètement opposée au Ray O'Light puisque le capteur n'est plus intégré dans la cible mais dans l'arme elle-même. En gros, quand on presse la gâchette, l'écran devient tout noir et la photodiode commence la réception. Tout ou partie de l'écran est peint en blanc, ce qui permet à l'ordinateur ou la console d'estimer où le pistolet est pointé en fonction du moment auquel la photodiode détecte la lumière. L'écran noir est quasi imperceptible et ne gêne pas le gameplay du jeu puisqu'il ne dure qu'une fraction de seconde. Alors jusqu'à aujourd'hui, quasiment tous les light guns produits à partir de là utiliseront cette technologie. En 1972, l'Odyssée de Magnavox entre sur le marché, c'est la première console de salon de l'histoire et proposera ainsi le premier jeu vidéo utilisant un light gun. Pour jouer à cette console, il faut placer des caches translucides en plastique sur l'écran de la télévision. Shooting Gallery proposera 4 jeux de tir utilisables avec un light gun, sous forme de fusil, avec 4 caches en plastique donc. Prehistoric Safari, Shooting Gallery, Dogfight ou Shootout seront les 4 jeux proposés. En 1974, Nintendo, qui s'est lancé sur le marché des jouets, crée un jeu d'arcade révolutionnaire appelé White Gunman. Conçu par le célèbre Gunpei Yokoi, il s'agit d'une borne électromécanique composée d'un light gun connecté à deux projecteurs 16 mm qui diffusaient des films préenregistrés. C'était un système de duel, le joueur devait tirer sur l'écran avant que le cowboy ne tire à son tour. 2 ans plus tard, Nintendo sortira Wild Gunman sous forme de jouet, puis 8 ans après, sous forme d'un jeu vidéo sur sa nouvelle console de salon, la NES. Alors justement, la NES, Nintendo créera le Zapper, qui comme sa console support connaîtra un certain succès, puisque d'abord vendu en bundle avec les jeux Mario, Dunk Hunt sera un des jeux les plus connus utilisant le Zapper. Une 15aine de jeux seront par ailleurs réalisés comme Wild Gunman. Au début, le light gun était sous forme de revolver de cow-boy, mais une loi aux États-Unis interdira les jouets ressemblant à de vraies armes. Une version plus futuriste sera ainsi mise en vente, d'abord en gris puis en orange. Le Zapper de Nintendo et le jeu Duck Hunt doit probablement rappeler beaucoup de souvenirs à certains d'entre vous. Le concurrent principal de Nintendo, c'est bien sûr Sega dans les années 80. C'est en 1986 que Sega va donc créer son propre light gun utilisable sur sa console Master System, le Light Phaser. Alors pour beaucoup, les pros Sega entre autres, trouvent que le Light Phaser est plus abouti que le Zapper, plus résistant, plus performant et surtout plus précis. A cause d'une incompatibilité matérielle, le Light Phaser ne sortira pas au Japon sur la Sega Mark III, l'équivalent de la Master System. Dans le monde de l'arcade, en 1987, sont créés les pistolets positionnels, c'est-à-dire un pistolet fixé à la borne monté sur pivot, permettant de diriger l'arme vers l'écran. Les portages sur console de ces jeux d'arcade seront jouables grâce au light gun, zapper ou light phaser selon la console. Les jeux sur ordinateur ne seront pas en reste avec le Magnum par exemple, conçu en 1989 pour le ZX Spectrum, le Commodore 64 et 128, ainsi que pour l'Amstrad CPC. Un jumeau du Magnum, le Trojan, sera fabriqué pour l'Amiga et l'Atari ST, vendu en bundle avec deux jeux, Skid Shoot et The Enforcer. Alors comme Ubisoft ou Lauriciel qui créeront des light guns, Konami propose en 1990 LaserScope pour la NES. Alors ce n'est pas vraiment un light gun mais plutôt un casque muni d'un micro et d'un viseur au niveau de l'œil. On tire en gueulant dans le micro et on vise en bougeant la tête. En peu maniable, ce ne sera pas un gros succès.
On arrive à l'ère 16 bits, la guerre des consoles est à son apogée, il faut se différencier en proposant non plus des pistolets mais des armes plus imposantes. Chez Nintendo, on crée le Super Scope pour la Super Nintendo, un mini bazooka que l'on pose sur l'épaule, fonctionnant sans fil mais avec des piles reliées à un récepteur sur le port manette de la console. Engouement du public à sa sortie, le jouet déçu par la suite à cause de la petitesse du bazooka et la consommation importante de piles. Les éditeurs tiers sont aussi peu nombreux à proposer des jeux utilisant ce light gun. Du côté de Sega, ce sera le Menaceur, un pistolet optique pour la Mega Drive, pouvant se transformer en fusil à l'aide d'une crosse mobile, reliée aussi au port manette grâce à une cellule infrarouge. Les défauts du Menaceur, ergonomie moyenne, procurant quelques douleurs à l'épaule, consommation importante de piles et peu de jeux compatibles. Avec son jeu Lethal Enforcers, Konami sort le Justifer, sur le modèle d'un Colt Python en 1992, et pour éviter la controverse sur le réalisme des light guns aux États-Unis, les armes sont repeintes en bleu turquoise et en rose bonbon. Le Justifer et le Menaceur seront également utilisables sur la Sega CD. Sony entrant sur le marché des consoles de salon, Konami proposera en 1995 le premier light gun de la PlayStation 1, portant le nom de Hyper Blaster en Europe. Prise en main agréable, excellente précision sur la plupart des jeux, malheureusement peu de jeux utiliseront ce light gun. Pour la Saturn, toujours en 1995, Sega sort son pistolet optique nommé Virtua Gun, vendu principalement pour les jeux Virtua Cop 1 et 2, ainsi que pour The House of the Dead. 14 jeux au total utiliseront le Virtua Gun, la plupart issus de l'arcade. Deuxième light gun officiel de la PlayStation, c'est Namco qui propose le G-Con 45 en 1997. La borne d'arcade offrait une culasse mobile et une pédale pour se mettre à couvert. La version console est moins aboutie, il n'y a pas de culasse et la pédale est remplacée par un simple bouton, ou alors utiliser le bouton de la manette du port 2 de la console. Une autre astuce permettait de remplacer le bouton par le pédalier d'un volant que l'on branchait aussi sur le port numéro 2. Le G-Con 45 sera vendu en bundle avec le célèbre jeu Time Crisis, un des plus connus sur PlayStation utilisant un light gun. Nouvelle génération de consoles, le Dreamcast Gun sera le light gun de la Dreamcast, vendu uniquement en Europe et en Asie. Il ne marchait pas sur les consoles vendues aux États-Unis et apparemment Sega aurait limité intentionnellement le light gun à cause de la fusillade de Columbine qui eut lieu en 1999. Un light gun nommé Dream Blaster sera quand même proposé aux États-Unis, reprenant le design du Dreamcast Gun. À cette époque, de nombreux light guns sont mis sur le marché. Le SRC Biogun, le Starfire, le DCX Blaster, le Yobo Game Wire DC Light Gun, le SRC DC Wireless Gun ou encore le True Master Pump Action Light Gun, au total 13 pistolets optiques pour seulement 6 jeux. Ce paradoxe de surabondance de light gun va pousser les fabricants à abandonner la production, devant aussi la baisse de succès des jeux utilisant les light guns, du coup les années 2000 ne verront que quelques flingues mises sur le marché. Namco sort quand même son Guncom 2 en 2000, principalement pour la PlayStation 2. Depuis quelques années, les fabricants rajoutent de nombreux boutons sur les light guns, des boutons latéraux A et B, des boutons Select et Start, parfois même un pavé directionnel. Plus de boutons ne signifie pourtant pas plus d'ergonomie dans l'utilisation de ces light guns, au contraire. En 2001, la Xbox de Microsoft sera la dernière console grand public à utiliser les light guns pour écran cathodique. La société Pelican mettra au point un fusil, le Silent Scope Light Rifle, pour le jeu Silent Scope. Encore une fois, peu de jeux compatibles, The House of Dead 3, Silent Scope donc, et Starsky Hutch. En 2007, c'est le Zapper de la NES qui va faire un comeback chez Nintendo avec la sortie du Wii Zapper. L'objet permet de maintenir la Wiimote et le Nunchuk ensemble sur le même support. D'abord très réticent à ce projet, Shigeru Miyamoto avouera la bonne ergonomie du système et décidera de son développement officiellement par la branche technique de Nintendo. Plusieurs bundles verront ainsi le jour sur la console Wii, le plus célèbre étant le jeu Link's Crossbow Training. Le Wii Zapper ne sera pas vraiment un light gun, mais plutôt un support combinant les différentes manettes de la Wii, mais s'utilisera comme un light gun. En 2007 toujours, avec la sortie de Time Crisis 4 sur PlayStation 3, Namco sortira son ultime light gun, le Guncon 3. Look horrible, mauvaise ergonomie pour les gauchers et manque cruel de jeux vidéo, seulement 3, le succès ne sera pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il est quasiment introuvable ou excessivement cher à l'unité pour les collectionneurs. Pour finir cette vidéo sur les light guns, j'en ai oublié quelques-uns. En 2011, ce sera le Sharp Shooter qui sera mis en vente, un accessoire officiel qui permet de réunir le PlayStation Move et le Navigation Controller afin de les transformer en fusils d'assaut compatibles avec des shooters tels que Killzone 3 et SOCOM Special Forces. Alors comme le Wii Zapper, ce sera un support en forme de fusil futuriste sur lequel on intègre très facilement le PS Move et le Navigation Controller. Du coup, la prise en main n'est pas évidente avec la multitude de boutons présents sur l'accessoire, mais offre une immersion importante de par le réalisme de l'arme et de bonnes sensations.
En effet, comme nous l'avons vu à travers les différents light guns depuis 40 ans de jeux vidéo, les pistolets optiques ont proposé au fil du temps des gameplays très particuliers et toujours sur le même principe de base, viser l'écran et le fait de tenir une arme à la main ou dans les mains, offrant une très forte immersion, un réalisme qui a certes provoqué des polémiques dans les années 80 et 90, mais les jeux light gun ont toujours été conçus pour un marché de niche qui n'ont pas toujours eu de très gros succès et réservé à un public averti et restreint. Ce sont des gameplays qui ne ressemblent à aucun autre gameplay. Si vous ratez une cible, c'est entièrement de votre faute, sauf si le light gun souffre d'imprécision, ce qui était souvent le cas à l'époque. Et surtout, les jeux au light gun ont un côté très défoulant, la possibilité de flinguer des méchants directement sur l'écran. Ainsi s'achève cette chronique consacrée au light gun, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à David Gill de m'avoir proposé le sujet, je vous conseille d'aller voir son forum qui apporte beaucoup plus de précision sur chaque light gun. Avec son accord, je me suis moi-même inspiré de ses textes présents sur son forum. Merci à toutes et à tous de me suivre, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. A bientôt pour une prochaine chronique, ciao!